I have nothing to prove to my coach. I play for God and God only, and I'm just doing my part on the pitch, but this moment is not for me, it's for God. Bienvenue dans la quotidienne. Bon, s'il y avait bien un soir pour se la raconter, quand on s'appelle Memphis Depay, c'était hier, il le savait, il l'a fait. You can put me out of the squad, I will come back. It's too strong for that, I'm not breakable. Victoire 2-1 donc de l'OL dimanche soir face au Paris Saint-Germain grâce à un coup franc de Nabil Fekir et un petit bijou de Depay. Alors, sans avoir regardé le match, généralement, tu sais que l'OL a gagné quand son président dit des trucs de ce genre-là à la fin du match. J'ai trouvé que M. Turpin avait quand même bien tenu le match parce que c'est un match très, très difficile. Très bon arbitrage, c'est vrai. On rappelle hein, quand même qu'à l'aller, l'OL avait perdu 2-0 au Parc. Il m'a semblé qu'il aurait même pu y avoir un pénalty en première mi-temps. Bon, c'est probablement que j'ai mal vu les choses. Et on est rassuré aussi pour Kylian Mbappé, sorti à la 35e minute de jeu sur KO après un choc avec Lopez, le gardien lyonnais. Un petit tweet après le match et ça repart, sans rancune même pour Lopez. Toujours classe, le Kylian. Petite pause dans la quotidienne, on file en Espagne. D2, Juan Carlos Martin, gardien de Lugo, a eu l'honnêteté de dire que ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Bon, là, on vous montre des belles images et tout, alors qu'en fait, bah... c'est une journée noire pour la quotidienne. Pascal Duprat et Olivier Sadran ont décidé de mettre un terme à leur collaboration ce matin. Très sincèrement, on l'a pas vu venir. Après la défaite 2-1 face à Montpellier samedi, il était comme d'habitude, Pascal Duprat. Comme d'habitude. Une déception, bien sûr. C'est complètement contre-productif. On ne défend pas très bien, on ne ferme pas le premier poteau. Et toutes ces productions ne nous rapportent pas grand-chose. On doit s'en prendre aussi à nous-mêmes. Je me sens investi d'une responsabilité, mais tout le monde doit être responsable. Voilà. Et le communiqué nous précise que les conditions extra-sportives n'étaient pas réunies pour mener à bien les échéances à venir du club. Bon vent hein, à Pascal Duprat, parce qu'on l'aime quand même, on l'aimait beaucoup dans la quotidienne. D'ailleurs, petite question du jour, est-ce que vous voulez vite le revoir rebondir dans un club en Ligue 1, Pascal Duprat? Est-ce que vous aimez son style, le personnage? Voilà, on attend vos avis, parce qu'on en a souvent parlé, on vous a jamais demandé votre avis. Deux commentaires sélectionnés demain. Et si vous aussi vous êtes triste après le départ de Pascal Duprat, dites-vous bien que ça pourrait être pire, vous auriez pu faire ça ce week-end. En Espagne, retour presque à la normale ce week-end avec toujours plein de points d'avance en tête du championnat pour le Barça après son succès 5-0 face au Betis. Le Real redevient un peu le Real après un 7-1 face au Deport. Ronaldo a demandé un portable sur la pelouse pour vérifier que sa tête n'était pas trop amochée après un choc reçu au visage. Et Zidane donc respire. Ça fait plaisir. De marquer 7 buts ici à la maison, c'est une grosse, grosse satisfaction et un soulagement. Bien sûr qu'on a besoin de ça. Donc voilà, maintenant, c'est le répéter. C'est le répéter déjà mercredi et puis samedi encore. Et sinon, après 6 mois de transparence totale à Nice, on rappelle que Schneider a signé au Qatar Al Gharafa début janvier et il a marqué son premier but ce week-end. Et pendant ce temps-là, toujours, Robin Van Persie rentre à la maison. 14 ans après son départ du Feyenoord Rotterdam, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise est de retour. À 34 ans, il a signé un contrat d'un an et demi. C'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Cadeau du lundi, 40 ans, complètement foot, vous le savez, c'est les 40 ans de téléfoot cette saison. On vous en a déjà offert quelques-uns des livres. Il y en a un à gagner aujourd'hui, c'est sur YouTube. On s'abonne, on commente la quotidienne et sinon, nous, comme d'hab, hein, on se quitte en images et en musique. Et on se retrouve très vite, demain. Ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de téléfoot. A tout de suite.